Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct, une édition qui sera consacrée à l'économie, à la performance économique du pays, justement de l'Égypte, à la lumière de la situation économique mondiale. Donc certainement beaucoup de défis, beaucoup de points d'interrogation quant à l'avenir. Et justement, ce soir, nous allons essayer d'analyser un petit peu la situation, de savoir aussi quels sont les horizons prévus au niveau mondial, mais aussi les répercussions de, par exemple, la guerre russo-ukrainienne ou la crise plutôt russo-ukrainienne sur l'économie mondiale, sur aussi notre économie, l'économie égyptienne. On commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président d'Abdel Fattah el-Sissi qui est reçu aujourd'hui, Claudio Di Scalzi, le président exécutif de la compagnie pétrolière italienne Eni. On a assisté à cet entretien, plusieurs responsables d'Eni en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre du Pétrole et de la Richesse Pétrolière Tarek Al-Molla. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Rordi, a affirmé que les responsables ont discuté lors de la réunion des activités actuelles de la compagnie Eni en Égypte, de ce qu'elle pourrait réaliser dans le domaine des recherches et de la production, outre la coopération dans le domaine des projets des énergies renouvelables. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sissi a eu un entretien téléphonique avec le président irakien Barham Saleh, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rordi, lors de l'appel téléphonique. Le président el-Sissi a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Irak dans les circonstances actuelles. Rordi a ajouté que le chef de l'État a jugé nécessaire de respecter le dialogue et de faire prévaloir l'intérêt national de l'Irak avant toute considération afin de préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté du pays. L'Égypte et les pays arabes ont prêté, ou plutôt sont prêts à contribuer à tout effort commun visant à mettre fin à l'escalade et aux affrontements. C'est ce qu'a poursuivi Bassam Rordi. De son côté, le président irakien a exprimé sa profonde appréciation pour le soutien historique de l'Égypte à l'Irak, valorisant les relations privilégiées entre les deux pays. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a assisté aujourd'hui à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Organisme général de l'investissement et les zones libres et le groupe Stellantis, le constructeur automobile mondial. Le mémorandum porte sur l'accroissement de l'ampleur de la coopération en cours entre le gouvernement égyptien, représenté par l'organisme arabe de l'industrialisation et le groupe mondial Stellantis, dans le domaine de l'industrie automobile. Ce mémorandum s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'industrie automobile lancée récemment pour encourager les constructeurs automobiles œuvrant dans ce secteur à injecter davantage d'investissements dans le marché égyptien. À présent, il s'agit de la performance économique de l'exercice financier 2021-2022, dont le résultat a confirmé la capacité de l'État égyptien à suivre les rythmes, ou plutôt le rythme des changements économiques internationaux et à absorber les chocs, ce qui a laissé une impression positive sur la résilience et la solidité de l'économie égyptienne auprès des institutions financières internationales. À cet égard, le ministère des Finances a pu obtenir des résultats positifs et qui ont fait de l'Égypte l'un des rares pays du monde à avoir réalisé un excédent primaire de 1,3 du PIB, alors que la plupart des pays émergents ont enregistré un déficit primaire de 4,7 environ pour cent dans le secteur financier 2021-2022. La performance économique de l'exercice financier 2021-2022, dont les résultats ont confirmé la capacité de l'État égyptien à suivre le rythme de changements économiques internationaux et à absorber les chocs, ce qui a laissé une impression positive sur la résilience et la solidité de l'économie égyptienne auprès des institutions financières internationales.
À cet égard, le ministère des Finances a pu obtenir des résultats positifs qui ont fait de l'Égypte l'un des rares pays au monde à avoir réalisé un excédent primaire de 1,3% du PIB, alors que la plupart des pays émergents ont enregistré un déficit primaire de 4,7% dans le secteur financier. 2021-2022, avec un taux de croissance annuelle des recettes budgétaires approchant les 20%, tandis que le taux de croissance annuelle des dépenses totales a atteint 14,8%, ce qui a permis d'atteindre les objectifs financiers et de réduire les déficits budgétaires par rapport au PIB. Alors que les dépenses totales d'investissement ont atteint 23%, ce qui a fait un grand bond dans ce domaine par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Pour sa part, le Fonds monétaire international a révisé à la hausse les projections de croissance de l'Égypte à 5,9% dans l'année fiscale 2021-2022 contre 5,6% prévu dans les révisions de janvier dernier. Cette estimation dépasse celle du gouvernement égyptien qui avait prévu un taux de croissance entre 5,6 et 5,7%. Mais le FMI prévoit un ralentissement à 5% en 2022-2023. Il a également prévu une inflation de 7,5% en 2022 et une accélération de celle-ci à 11% en 2023. On projette que la balance du compte courant baisse à 4,3% en 2022 contre 4,6% en 2021. Il est prévu que l'emploi atteigne 6,9% en 2022 et 2023, alors que selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, les taux d'emploi a atteint 7,4% en 2021. Justement, pour plus de précisions, justement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hebatullah Arif, professeur en sciences de gestion à l'Université de Nantes. Bonsoir, Dr Hebatullah Arif. Bonsoir. Bonsoir, Dr Hebatullah Arif. Encore une fois, vous êtes professeur en sciences de gestion à l'Université de Nantes. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Et justement, pour commencer, et puisque vous êtes en France, à Nantes, quelle est la situation actuelle chez vous? Je parle d'un point de vue certainement économique. Après, nous allons retourner justement pour parler de l'Égypte et des défis certainement. En fait, en France, on a l'économie à développer car, comme vous connaissez bien, que pendant la période de COVID-19, coronavirus, c'était pas seulement au niveau du pays de France, mais au niveau mondial, on a vu une baisse économique au niveau du monde. Mais actuellement, pas seulement en France, mais dans tous les pays, on trouve comme un progrès dans l'économie. Et concernant la situation ici en Égypte, on trouve que la performance de l'exercice actuel de 2021 et 2022 dans le dénouement a confirmé la capacité de l'État égyptien à faire face aux mutations économiques internationales et à absorber les chocs, qui a établi une impression positive de la résilience et de la solidité de l'économie égyptienne auprès des institutions financières internationales. Car on trouve ici. Qu'est-ce que cela veut dire, docteur Hebatullah Arif? Excusez-moi, docteur Hebatullah, qu'est-ce que cela veut dire, justement, ce que vous venez de dire, justement, est-ce qu'on a trouvé dans le commentaire, peut-être pour le spectateur qui n'est pas très spécialisé, on aimerait bien ou il aimerait bien comprendre qu'est-ce que cela voulait bien dire, qu'une impression positive sur la résilience et la solidité de l'économie auprès des institutions financières internationales. Comment ça peut se traduire, comment ça peut être exprimé ou expliqué facilement ou, si on parle par exemple d'un excédent primaire de 1,3% du PIB. Oui, exactement. Oui. Je peux vous expliquer ça en détail en chiffres, comme ça je peux clarifier ce point. Ici en Égypte, le ministère des Finances a pu obtenir des résultats positifs qui ont fait de l'Égypte l'un des rares pays du monde à avoir réalisé, comme vous avez dit, un excédent primaire de 1,3% du PIB.
tandis que la plupart des pays émergents ont atteint un déficit primaire de 4,7% au cours de l'exercice 2021 et 2022. Très bien. Quel est le déficit primaire? Avec un taux de croissance annuelle des recettes budgétaires proche de 20%. Très bien. C'est quoi l'excédent primaire de 1,3%? C'est quoi le déficit primaire de 4,7%? Comment est-ce qu'on peut expliquer ceci? C'est-à-dire, est-ce que c'est directement lié, par exemple, à la production? C'est quoi exactement? Comment on peut expliquer ces chiffres ou ces termes aux spectateurs? Un excédent primaire ou un déficit primaire? Et en fait, cela se peut traduire en termes de taux de croissance ici annuel des dépenses totales en Égypte qui est élevé à 14,8%, et ce qui a permis d'atteindre les objectifs financiers et de réduire le déficit budgétaire par rapport au PIB. Tandis que les dépenses totales d'investissement ici en Égypte ont atteint 23%. Et cela a réalisé un grand bond dans ce domaine par rapport à ce qui s'est passé au cours du dernier exercice. Et si on dit qu'on trouve beaucoup de projets d'investissement qui ont été faits au niveau de différents secteurs, mais on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sissi a pu faire un grand investissement au niveau du secteur de technologie de l'information et de communication. Oui. Et dans des industries qui cherchent à promouvoir l'aspect environnemental en Égypte. Par exemple, on trouve qu'on prochainement, on aura la conférence et l'événement de COP27 qui sera établi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Au cours de novembre, cela pour promouvoir le fait qu'on doit protéger l'environnement et chercher à faire comme réduire ce qui n'était pas qui était bien pour l'environnement et le climat et le changement climatique et tout ça. Pour cela, c'est ça, ce sont les facteurs que le président a fait le focus sur ce secteur. Très bien. En 2016, le gouvernement égyptien a lancé un programme ambitieux de réformes et économiques et monétaires. Justement, aujourd'hui, et suite à 3 années de crise, presque 3 ans de crise, 2 ans et demi, il y a le coronavirus, il y a la crise russo-ukrainienne. Justement, comment est-ce que ce programme de réformes économiques et financières a pu justement aider l'Égypte à faire face à de tels défis, surtout économiques? En fait, on trouve ici comme un programme de réforme égyptien qui s'était établi et qui avance sur la bonne voie et réaliser tous ses objectifs. D'accord. On trouve que le samedi dernier, le Fonds monétaire international a établi son 4e examen du programme. Et on trouve que le FMI a accordé à l'Égypte 2 milliards de dollars, portant à 10 milliards le montant versé par l'institution financière de l'Égypte dans le cadre d'un programme d'aide de 12 milliards de dollars approuvé en novembre. C'est vrai. Justement, de tel, c'est-à-dire que les prêts du Fonds monétaire international avaient pour objectif surtout de donner un message, ou parmi les objectifs justement de ce prêt était de donner un certain message de confiance à l'économie égyptienne, d'où l'intérêt justement pour l'investisseur étranger, c'est-à-dire un objectif d'attirer l'investisseur étranger, le rassurer quant à l'ambiance justement ou l'atmosphère économique en Égypte. À quel point ceci a été aussi
réalisée. C'est-à-dire, en fin de compte, l'Égypte déploie énormément d'efforts pour attirer les investisseurs étrangers. On parle d'infrastructures qui a été rénovée, développée au cours des dernières années. On parle aussi au niveau législatif de projets de lois qui ont été ou bien promulgués ou bien amendés, encore une fois pour justement envoyer ce message de confiance à l'investisseur étranger. Aujourd'hui, par exemple, nous avons vu le président Abdel Fattah ici qui s'est entretenu avec le PDG d'une compagnie très importante. Il s'agit de la compagnie pétrolière Eni. Et donc, encore une fois, beaucoup de dossiers ont été évoqués. On trouve que pour le plan du futur, que d'ici à 2025, le gouvernement souhaite que la contribution du secteur privé aux investissements passe à 65%. Contre, actuellement, on trouve que 30% actuellement. Et aussi qu'on trouve que 10 compagnies détenues par l'État et 2 compagnies par l'armée. D'accord. Le fabricant d'eau en bouteille et tout ça. Mm-hmm. Pour cela, je pense que c'est ça le plan du futur du gouvernement d'ici à 2025. Très bien. Docteur Hebatullah Alef, vous êtes professeur en sciences de gestion à l'Université de Nantes. Merci de beaucoup de vos précisions. Justement, on enchaîne, ou on reste avec le même sujet certainement, mais on enchaîne encore une fois avec cette performance de l'État qui, en dépit des différents défis inédits certainement, auxquels l'Égypte avait fait face, et les directives du président Abdel Fattah el-Sissi pour que l'économie puisse justement avancer, prouvent que l'Égypte dispose d'une économie forte et capable de résister aux crises majeures, selon le Premier ministre Mostafa Madbouly. C'est ce qu'il a affirmé lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion du cabinet dans la nouvelle ville d'El Alamein. La conférence a pour objectif d'annoncer la mise en œuvre effective du paquet de protection sociale à partir du début septembre prochain, selon le Premier ministre. Voici les détails. La performance de l'État, en dépit des différents défis inédits auxquels nous avons fait face, et les directives du président Abdel Fattah el-Sissi pour que l'économie s'avance, prouvent que l'Égypte dispose d'une économie forte et capable de résister aux crises majeures, selon le Premier ministre Mostafa Madbouly lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion du cabinet dans la nouvelle ville d'El Alamein. La conférence a pour objectif d'annoncer la mise en œuvre effective du paquet de protection sociale à partir de début septembre prochain. Le Premier ministre a indiqué qu'il s'agit de mettre en œuvre en collaboration avec les institutions de la société civile en tant que paquet exceptionnel supplémentaire pour faire face aux retombées de la crise mondiale majeure causée par la crise russo-ukrainienne. Les étapes exécutives ont démarré juste après la fin des dispositions logistiques nécessaires. Madbouly a expliqué que les indicateurs préliminaires réels reflétaient que le taux de croissance de l'économie égyptienne de 2022 s'est élevé à 6,6%, qui est le taux de croissance le plus élevé enregistré par rapport aux dernières années, en dépit des difficultés auxquelles nous avons fait face au cours du dernier trimestre de l'année en cours, dont la guerre russo-ukrainienne et l'impact sur les taux de développement. Les prévisions du dernier exercice financier avaient indiqué un taux de croissance de 6,1% ou 6,2%, ajoutant que l'autre indicateur positif était la stabilité du taux de chômage à 7,2%. Madbouly a ajouté que l'État avait essayé d'avoir autant de flexibilité que possible pour intervenir en cas de crise. L'État s'efforce d'avoir une réserve générale qui a atteint cette année 130 milliards de livres égyptiennes pour mettre en œuvre de nombreuses initiatives lors de nouvelles conditions survenues dans ce nouveau paquet de protection sociale qui va entrer en vigueur.